Laetitia Hallyday aurait réussi à manipuler Johnny Hallyday de son vivant et serait à la tête d'une belle fortune, estimée à plus de 50 millions d'euros. Une révélation. La veuve du taulier a fait un pas vers ses beaux enfants, David Hallyday et Horace May, en chargeant ses avocats d'entamer des négociations afin d'en finir de cette histoire de succession. Le Parisien a confirmé une réunion entre les deux parties du clan. Un accord pourrait être conclu au plus vite. Mais en réalité, Horace May et David Hallyday, ainsi que leur petite sœur, Joa et Jade, ne récolteraient qu'une petite partie du patrimoine et pour cause, Laetitia Hallyday aurait déjà réussi à mettre à l'abri dans un trust à son nom partie des biens, et cela du vivant de son mari. D'après Lena Luto, Laetitia Hallyday détiendrait la pleine propriété d'une partie des biens du taulier. La succession disputée en concernerait que le reste, une partie des biens qui se trouveraient en France. Cette piste est évoquée par Lena Luto, journaliste du Figaro, auteur d'un ouvrage à ce sujet. On parle d'une somme rondelette d'environ 50 millions d'euros, placée dans le trust californien de Laetitia et à l'abri du partage, a-t-elle indiqué.